Donc, je vais vous présenter la méthode MindUp qui a été créée par Anne et moi-même avec la collaboration d'athlètes qui ont intégré MindUp dans leurs entraînements et nous ont partagé leurs expériences, leurs sensations, leurs ressentis pour justement qu'on puisse affiner cette méthode. Donc, on ne sait pas uniquement on a sur de la théorie, mais on a été sur le terrain avec des athlètes pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter avec la sophrologie. Et l'objectif est d'utiliser cette méthode dans sa pratique sportive, sur le terrain de tennis, sur le green de golf, dans la piste de descente, sur tous les terrains de sport pour l'intégrer efficacement. Ce soir, donc, quatre conférenciers vous feront part de leur pratique d'entraîneur et de leur pratique sportive associée à la sophrologie. Et entre chaque temps de conférence, il y aura un temps dédié aux questions. Je suis étudiant en management du sport en deuxième année. Et à côté de ça, je suis joueur de tennis en compétition. À un assez bon niveau, un niveau qui, avec lequel je dois m'entraîner 4 ou 5 fois par semaine pour essayer d'atteindre mes objectifs et essayer de progresser. Bah, la sophrologie, ça me permet déjà d'identifier mes zones de tension. Et après, grâce à la respiration, grâce à des exercices, des outils, par exemple la pleine conscience, quand je suis à un changement de côté, j'arrive à déstresser, à détendre ces zones de tension. Vous, avez-vous déjà ressenti la sensation de flow dans un moment de votre vie, qu'il soit sportif ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, ce que vient de nous décrire Ralph? Intéressant. Donc, beaucoup l'ont ressenti, d'autres ne savent pas. En tout cas, la question peut-être serait de savoir comment l'atteindre puisqu'on l'a déjà ressenti et comment la retrouver. L'outil sophrologique, ça permet aussi d'accélérer les choses en termes d'expérience et de maturité pour performer. Merci. Laurence, qui nous a apporté une réflexion intéressante, qui dit en fait que la sophrologie, c'est l'entraînement dans l'entraînement, parce qu'effectivement, ça demande aussi beaucoup d'entraînement pour être à même sur le terrain de pouvoir synchroniser notre respiration avec notre mouvement, pouvoir relâcher le corps, trouver aussi des solutions quand parfois le mental nous embarque et que l'on juge que l'adversaire est responsable de ce que je vis. Non, la sophrologie permet de revenir à soi et de reprendre les rênes dans la responsabilité de l'être. Très important en fait de mettre en place la sophrologie associée au tennis en même temps que l'on peut mettre la technique, le physique et la tactique. Voilà, et plus tôt on commence, plus tôt l'entraînement sera facile. Voilà, la sophrologie n'est pas qu'individuelle, elle est aussi au service du collectif. D'où l'intérêt de la sophrologie pour la performance collective, c'est certes établir des solutions et des stratégies avec notre mental, mais ensuite de pouvoir tous les incarner de manière individuelle pour ensuite tout mettre dans cet environnement complexe qu'est notre équipe. Pour conclure, on sait que la performance d'un joueur va dépendre essentiellement de sa capacité à gérer son mental, sa concentration, à réguler ses émotions, mais qu'il doit pour cela s'y entraîner. On parle de performance sportive, mais on sait aussi que dans l'entreprise, dans la vie, un conférencier doit aussi, lui, se préparer. C'est aussi ce que chacun a pu faire et on utilise toujours les outils de la sophrologie. Pour conclure les thématiques que l'on peut développer en sophrologie, donc à travers l'entraînement physique, mais technique, de manière simultanée, comme on l'a vu, ou de manière... aussi intégrative ou de manière dissociée par la sophrologie. Donc, on peut optimiser la performance par la conscience du corps et de ses sensations. Fabrice l'a très bien exprimé. Muscle aussi l'acuité attentionnelle et concentrative pour jouer donc en pleine présence. Là, donc, tous nos conférenciers l'ont exprimé. Apprendre à relâcher les tensions, mais pour rendre ce stress performant. Comprendre et exploiter efficacement les rouages de la motivation, on en a moins parlé
mais bien sûr, on ne pouvait pas tout aborder pendant cette conférence. Développer les compétences émotionnelles pour qu'elles soient à la fois sécurisantes et structurantes, mais aussi dynamisantes. Et puis, utiliser le mental de manière constructive pour améliorer le discours interne et surtout le faire taire à certains moments quand il se doit pour laisser la place au corps, puisque dans le sport, le corps a toute sa place.